Aujourd'hui, je vous propose une balade sur le plus haut sommet des Corbières, le Pech de Bugarrache. Et pour cette balade, je ne suis pas tout seul, je suis avec Marianne Sago, que vous connaissez. Oui, qu'est-ce que tu m'amènes faire? Alors, on va faire le Pech de Bugarrache, qui est derrière ces montagnes. Tu verras, c'est assez mystique, le Pech de Bugarrache. Bah, allez, c'est parti. Tu as vu, on est sur le GR36. On sent que le chemin n'est pas d'aujourd'hui quand même. Hein. Oui, il est creusé dans la pierre. Hein. Ouais. Regarde, Codiès illuminé. Ouais, on est parti de là-bas. On a passé la première crête, on a encore une petite colline à passer là au-dessus de Campo. Et ensuite on aura le Bugarrache, en espérant que ça se lève. Et tu vois, c'est encore un peu dans les brumes. Quand on voit des animaux comme ça, faut jamais aller sur le... Il faut pas aller en frontal déjà, et puis tu vois, elle est un petit. Allez, 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 allez. Comme ça, on les gêne pas, et inversement. Alors pour ceux qui ont oublié, en décembre 2012, le 21 décembre, ça devait être la fin du monde ici, selon le calendrier Maya. C'était vraiment une folie médiatique, et le préfet de l'eau de l'époque avait carrément pondu un arrêté pour interdire l'ascension du pic de Bugarrache. Oui, par peur de suicide collectif en fait. Ouais. Parce que comme ils annonçaient la porte vers un autre monde, ils avaient vraiment peur que les gens se jettent dans le vide. Et comme c'est quand même vertigineux là-haut, bon, c'était quand même une mesure de précaution, quoi. Et il n'y a pas eu la fin du monde. Tant annoncé. Et ouais. Normalement, il y a un garage à ovnis là-haut. Selon certains. Hein, je crois surtout qu'on va voir du caillou et du caillou et du caillou. On va arriver au pied de la montée. Ouais, et comment ça se passe après? Ah, après, eh bien, on va passer par la voie sportive, dit la voie de la fenêtre. Bon, ça part de là alors, Marianne? Ben regarde, tu as l'altitude du pic là. Altitude 1231 mètres. Garage à ovni par là? À droite là. Tu veux décoller après? Ouais, ah oui. Le permis. Ouais. Ouais. Là on marche sur la montagne inversée, c'est-à-dire que là la roche ici elle a 135 millions d'années, alors qu'en bas c'est 65. Quand il y a eu le plissement des deux plaques ibériques et européennes, en fait, les montagnes se sont soulevées. Donc on a, si tu veux, les roches sédimentaires du bas qui remontent vers le haut. Et là, pour Bugarrache, c'est l'inverse. Elles se sont renversées. D'accord. Donc en fait, on a des qualités de roches au sommet qu'on ne devrait pas avoir, qu'on devrait avoir au niveau du socle. Hey, mais c'est drôlement beau ici. Bon, après, il n'y a pas de difficulté parce que le sentier est tellement emprunté. Tu vois que ça fait comme des marches en fait. D'accord. C'est vraiment plus beau que ce que j'espérais. Regarde ça. Ouais. Tu peux en voir des têtes de monstres. C'est ça. Dans les cailloux. Ça y est, on voit la fenêtre. D'accord. Ok. T'es prêt à passer dans l'autre monde? Non, pas tout de suite. On va attendre. Waouh! Ah, mais voilà! Tiens, on commence à voir les Pyrénées là-bas au fond. Il y a une chaleur incroyable, ça a mis la buée sur la caméra. Je déconne pas, hein? Il y a quelqu'un! Hey, vraiment, il y a un vent chaud qui remonte, ouais, et... C'est agréable, oh, c'est super agréable. Ascension finale. Il reste combien, là? Là, on se rend pas compte, mais une cinquantaine de mètres. D'accord. Allez, Denis. Wouhou. Le village de Bugarrache, par là. Là, on est plein nord, plein sud, ouest, est. La Méditerranée, on la voit là-bas. Oui, c'est ça. On l'imagine. Là on est hors sentier normal, mais c'est bien un sentier quand même. Hein. On va descendre dans les entrailles. La corde est obligatoire là.
Bon, après, tu pourrais désescalader, mais la roche, tu vois, elle est quand même assez lisse. Donc c'est quand même plus sécurisant d'avoir la main courante. D'accord. Au moins, si tu fais un faux mouvement, tu sais que tu peux te rattraper, quoi. On le devine presque, il s'est dégagé pour moitié, c'est déjà pas mal. Donc on est monté tout au sommet. Hey, ciao Marianne, merci. Salut, c'est super. Denis. Faudra qu'on le voit un de tes jours de bugarache. Je te ramène cet été. Ok, ciao. Allez, salut.